Kenya, Wea, Isaac. Je suis venu en 1936 et je suis venu à Gosana. Yai. Ni mahia jiunya gianya ga oyang ho nya ge mo ang ho ni ge cha pala ge mo ga wo nya ku yu ai buang no ge ni e ga mo nu nya changement au au ge mo wo yang a cha hai long ha hia bu fo ni ha yang gi do gang tu mo ra ba bayang me bayang me nyot nyot jo ga he ga o yu nyot e Ogeang hon in l'an 2000 que ça est long hon me ka ji ko ka be ma ho manyo responsabilité mais j'ai la me ke mo e ka tu o ke yo tu o nyo tu o kono cha si bi ka be tin be han wa mo tin wa ga sul se be ta be tin e ge ke yo tin a he ga e yang nyo tin a he ga haneu Abang amal ama hai metu aja eu ibabut ama nak kuat drum eh hawa me oset me otom tine onyu bai babut cha no tin biga labani je na hutu anya bubonan me chichaman cha no nyame tu ha ama ni force capucho ke gemi nan biga une ke bunje la kumun ka buna beteng ge nyot aba nyot me ichu me umotin je uma Amerika menno nje menno ya waleanga tinian minya kuyo mi kono arama respecteo awu ha ku vaiti nje mi ang pacifique kage me habi ka europe mi jinye ya gan amerig mi angleterre mi france de me we ga ha lang ka bi e wayang ni ya so Anya ka kani doganga gemela bagawo na chai long has Alors on commence par un petit peu d'émotion hein, histoire de vous mettre bien à l'aise. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette vidéo, ce genre de vidéo? Non, parce qu'en fait, ça fait partie d'un chouette programme lancé en 2017 par l'IRD, en partenariat avec RFI Planète Radio, on l'a vu. Il s'agit du programme Hip-Hop. Alors, POP, c'est pour Petites Ondes Participatives. L'idée est de mobiliser les jeunes du monde entier pour recueillir le témoignage de personnes confrontées à la crise environnementale, on l'a vu, en réalisant des films courts d'une durée de 3 minutes, afin d'alerter et de pousser à l'action. En 6 ans, le projet a donné vie à plus de 1100 films issus de 43 pays en 69 langues et a généré plus de 100 000 followers sur les réseaux. Donc c'est un vrai succès, plutôt enthousiasmant. Ceux qui voudront en savoir plus sur le réseau hip-hop, n'hésitez pas à vous rendre à la rencontre organisée à 14h15 à l'espace Ville Durable pour aussi voir comment vous pouvez vous procurer ce genre de vidéo. Bon alors ça y est, c'est parti pour la première table ronde. Merci mesdames. Les sciences pour répondre aux défis de l'humanité. Alors cette vidéo, on l'a vu, illustre à merveille l'un des défis auxquels l'humanité va être de plus en plus confrontée, hein, la montée du niveau marin, conséquence du changement climatique. Pour tenter de voir à quelle place a la science pour répondre à ces défis, je vous propose de laisser la parole à nos intervenantes. Alors je dis bien intervenantes. Parfait, nous avons 4 intervenantes en plus, c'est parfait, merci. Et je dis bien intervenantes, d'ailleurs je voudrais remercier l'IRD pour cette première table ronde 100% féminine. Pour ceux qui sont habitués au séminaire, etc., ce n'est pas si commun. Ce n'est pas si commun et ça a le mérite de mettre en avant l'engagement des femmes en matière de développement durable et le besoin crucial pour répondre aux défis de l'humanité de parvenir à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes. Donc bravo mesdames et merci d'être là avec moi pour compléter cette scène aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter nos intervenantes. Françoise Vimeuf, vous êtes climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, ainsi qu'au laboratoire hydrosciences de Montpellier. Vous êtes également directrice de recherche à l'IRD. Merci à vous. Je passe à Maud Lelièvre, qui vient d'arriver de Paris, tout juste arrivée de Paris. Merci d'arriver juste à temps. Vous êtes présidente du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, et membre du Conseil international de l'UICN. Ensuite, nous avons Françoise Fromageau. Vous êtes médecin gériatre et vice-présidente de la Fondation de la Croix-Rouge. Et enfin, Nadine Machicou.
Vous êtes vice-rectrice de l'université de Tchang au Cameroun et vice-présidente de l'Association africaine de sciences politiques. Merci à toutes les quatre d'être venues ici pour aujourd'hui, pour fêter cet anniversaire, vous l'avez compris. Alors, difficile de poser une hiérarchie des défis auxquels est confrontée l'humanité. Hein. On a que le choix et les yeux pour pleurer. Mais bon, puisqu'il faut en choisir un, on va choisir le défi climatique qui me semble s'imposer de lui-même dans la mesure où difficile de survivre sur une planète au climat devenu inhabitable. Françoise Vimeux, donc vous êtes climatologue au laboratoire OLSCE et au laboratoire hydrosciences de Montpellier. Auriez-vous une piste à nous donner peut-être ou comment la science peut-elle jouer sa part? Alors, ben, merci beaucoup. Merci à tous d'être là dans la salle. Alors, d'abord, peut-être que le terme que j'emploierais, c'est plus recherche scientifique que science. Hein. La science, pour moi, c'est un socle de connaissances que nous avons déjà. Et la recherche scientifique, son rôle, je pense, c'est de créer de nouvelles connaissances à partir des questions que l'on nous pose. Alors, ça peut être des questions de la société civile, ça peut être des questions des décideurs ou des collectivités. En tout cas, je pense que c'est essentiel, comme ça a été dit, hein, que la recherche scientifique réponde à ces questions. En revanche, je crois que notre devoir est aussi de répondre aux questions qu'on ne nous pose pas encore. Alors pourquoi ? Parce que en tant que personnel de la recherche, nous avons une position privilégiée pour voir comment, en parlant du défi climatique, comment le système climatique va évoluer, quels vont être les challenges de demain. Et il me semble vraiment crucial de pouvoir anticiper, de pouvoir préparer, afin d'être prêt quand on va nous poser des questions qui vont arriver dans les années et les décennies à venir, des questions qu'on voit bien se dessiner. Et d'ailleurs, c'est parce que ça fait plusieurs décennies, je crois, que l'on travaille sur le système climatique, qu'on a une bonne image aujourd'hui de son fonctionnement et de son évolution, qu'on est capable de répondre aux questions qu'on nous pose, et aussi qu'on est capable d'évaluer quels vont être les risques dans les différents territoires. Et sans évaluation des risques, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'identification des solutions, qu'il ne peut pas y avoir aussi de dimensionnement de la solution, puisque pour que la solution soit pérenne, elle doit être dimensionnée correctement par rapport aux risques qui nous attendent. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Je crois que ce que je voudrais souligner, c'est que le point peut-être qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le fossé qui existe entre la recherche scientifique, l'identification des solutions, et puis la mise en œuvre de ces solutions, leur opérationnalité sur le terrain. Alors, il y a un ensemble de freins qui ont été identifiés dans les rapports du GIEC sur pourquoi on a un décalage, pourquoi on a un retard à l'adaptation climatique. Ça peut être parce que certaines solutions sont difficiles à réfléchir, à planifier, à mettre en œuvre. Ça peut être parce que ces solutions, elles ont un coût qui ne peut pas être supporté par tous les territoires, tous les pays. Ça peut être aussi des questions d'acceptabilité de ces solutions. Mais le frein qui me parle, en tout cas personnellement, c'est l'inégalité de la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Quand on regarde sur les 30 dernières années, ça a été très bien souligné dans le deuxième rapport du GIEC, on s'aperçoit que le nombre de publications scientifiques sur l'adaptation au changement climatique, elle est très diverse d'un pays à l'autre. Elle est très significative aux États-Unis, dans les pays européens, en Chine, en Inde, en Australie. En revanche, ces publications sont quasiment inexistantes sur le continent sud-américain ou dans les pays hautement vulnérables au changement climatique sur le continent africain. Et donc, peut-être pour reboucler avec la journée d'aujourd'hui hein, et le rôle de l'IRD, je crois que c'est vraiment pour nous chercheurs notre pierre à l'édifice, c'est de faire en sorte que ces recherches scientifiques pour l'adaptation, elles existent dans ces pays hautement vulnérables au changement climatique, pour qu'on puisse avoir derrière l'enchaînement de toutes les étapes successives qui mènent à l'opérationnalité de la solution sur le terrain. Merci Maud pour cet exposé effectivement assez intéressant sur cette inégalité de recherche. On peut en reparler effectivement après dans la table ronde que nous aurons ensemble. Si la défense d'un climat vivable est essentielle, on oublie trop souvent la bataille essentielle de la biodiversité hein, qui doit être menée parallèlement pour préserver la biodiversité. Son effondrement n'est qu'un préalable à celui de l'humanité. On l'oublie un petit peu trop souvent et que nous ne sommes que de mammifères, de simples mammifères. Maud Lelier, vous présidez le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la recherche peut aider à freiner ce mouvement
galopant de disparition des espèces. L'UICN, effectivement, est une vieille maison, presque aussi vieille que l'IRD. On a fêté, nous, nos 75 ans l'année dernière. Et On n'est pas dans un EHPAD. Hein. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un endroit où nous allons discuter de l'avenir de la recherche. Hein. C'est... Moi, j'adore les anniversaires parce que je pense que c'est aussi la façon de montrer que les luttes environnementales et les travaux environnementaux, ils n'ont d'effet que dans la durée. Et on vit dans une époque de l'instantanéité. Et c'est toujours difficile d'expliquer que pour avoir une aire protégée gérée durablement, efficacement, ça ne se fait pas en 3 mois, que pour avoir des plans nationaux d'action sur les espèces, eh bien, il faut le faire dans la durée et pas au gré des changements gouvernementaux ou des annonces de la Commission européenne. L'UICN, elle a été fondée sur la science. C'était des scientifiques un petit peu avant qui s'étaient réunis en colloque à Paris dès les années 1923 et puis il y a eu l'interruption de la guerre, mais qui se sont dit qu'il fallait pouvoir travailler sur de la donnée scientifique, la science, pour pouvoir préserver. Et c'est toujours ce qui a conduit les politiques de l'UICN. Par exemple, dans les années 60, au moment où il a été constaté que les populations d'éléphants disparaissaient de façon accélérée, les représentants de l'UICN ont décidé de publier un livre rouge qui est devenu ensuite les listes rouges, celles que vous connaissez, le baromètre des espèces, de l'état de conservation des espèces. Et en fait, c'était une façon d'alerter parce que effectivement, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, il y a forcément un conflit homme-faune. On l'a en France avec le loup, avec un certain nombre dits de grands prédateurs. On l'a évidemment un peu partout dans le monde, et pour les éléphants au Zimbabwe. Et donc en fait, la nature, l'animal est vu comme une contrainte, un danger, une atteinte à l'agriculture. Et en revenant à la science, en établissant des données scientifiques de façon régulière, c'était une façon d'objectiver s'il ne se voit pas, parce que j'allais dire presque pire que pour le climat, même si vous êtes une experte et vous devez trouver que les discours sont très simplifiés. La biodiversité, c'est quelque chose d'invisible. On connaît 150 000 espèces. Sur ces 150 000 espèces évaluées, on en a 42 000 en état de conservation difficile. On en découvre 15 000, 14 000 par an, surtout, évidemment, pas des grands mammifères, donc des espèces qui ne parlent pas forcément. Et sur les 1 million d'espèces possibles, on ne les connaît évidemment pas. Donc on a une disparition accélérée de quelque chose que les gens ne connaissent pas, ne voient pas, et pour peu qu'ils en connaissent une partie, pour lequel ils n'ont pas forcément de sensibilité. Notre principal frein à nous, c'est l'anthropomorphisme. C'est le fait que les gens se projettent sur le gentil vison ou le gentil panda, mais pas du tout sur les insectes, pas du tout sur les services écosystémiques que peuvent rendre les espèces et les écosystèmes. Et c'est particulièrement difficile parce que forcément, quand on protège, on doit lutter contre des modes de consommation galopants, la construction d'infrastructures qui fragmentent les habitats, la lutte contre la surpêche ou le trafic d'espèces sauvages qui forcément bénéficient à des groupes ou des populations. Et puis la lutte aussi contre un certain nombre de groupes, ceux du crime organisé international, qui ont tout intérêt à ce qu'on continue à vendre de l'ivoire, le thésauriser, importer de la viande de brousse et puis vendre des crânes de singes parce que c'est particulièrement joli et décoratif dans votre appartement à New York. Merci Maude pour ce premier exposé sur l'invisible et sur la destruction de cet invisible si précieux. Françoise Fromageau, nous venons d'évoquer les défis liés à l'habitabilité de notre écosystème, mais ils ne doivent pas nous faire oublier que l'humanité doit aussi faire face à un défi en son sein même, celui de la précarité et de l'exclusion. Vous êtes vice-présidente de la Fondation de la Croix-Rouge. Pourriez-vous nous expliquer quelle place occupe ou pourrait occuper la science sur ce plan? Alors, bonjour à tous et merci à l'IRD. On a une grande histoire avec l'IRD puisque l'IRD siège à notre conseil d'administration. Donc, je voulais les remercier et puis remercier tout particulièrement Laurent Vidal qui est le président de notre conseil scientifique. Donc, voilà. Donc, on est extrêmement liés à l'IRD. Alors, on va faire un concours d'anniversaire. Nous, la Croix-Rouge a eu 60 ans cette année. La Fondation Croix-Rouge, 10 ans. Mais 10 ans avec plus de 100 recherches, 22 pays, 16 disciplines. Et ces trois chiffres montrent finalement aussi l'idée de la Fondation Croix-Rouge de faire ensemble et de créer des partenariats. Et l'intérêt de la Croix-Rouge, c'est à la fois
70 000 bénévoles sur le territoire et à la fois plus de 160 pays qui font partie de la Fédération internationale. Donc vraiment une communauté extrêmement intéressante. Vous dire aussi que l'idée de la Fondation Croix-Rouge, c'est vraiment de créer cette communauté de chercheurs et particulièrement de chercheurs du Sud qui sont parfois extrêmement isolés et qui travaillent dans leur coin. Donc c'est aussi cette idée de faire communauté. Et puis peut-être partir tout simplement du besoin des personnes, que ça soit dans notre réseau de bénévoles, de partir en tout cas des besoins du terrain, à la fois sur du long terme et puis à la fois sur du terme plus urgent. On a été extrêmement mobilisés lors de la crise Covid et lors de la crise ukrainienne, mais vous dire aussi qu'on peut aussi agir de manière rapide. Vous dire aussi ce qu'on défend, c'est peut-être une recherche transversale et interdisciplinaire. Ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, de partager les regards, de faire en sorte aussi peut-être, et on commence à le faire, d'avoir des recherches participatives, c'est-à-dire d'impliquer dès le début de processus de la recherche les personnes qui sont impliquées, et puis peut-être de valoriser ces travaux de recherche. Et j'ai envie de citer ce qu'on fait, qui s'appelle les ateliers post-recherche d'innovation sociale, et je trouve que ça signifie, en tout cas, et ça montre ce qu'on essaie de faire pour valoriser nos travaux de recherche. C'est vraiment des travaux qui réunissent à la fois les chercheurs, à la fois les acteurs de terrain, et puis à la fois les personnes impliquées. Et c'est vraiment, un lieu de croisement des savoirs et des regards, parfois des savoirs expérientiels des personnes impliquées, et puis évidemment les travaux de recherche et les savoirs de terrain des acteurs. Ça permet finalement d'expérimenter et de capitaliser, et peut-être aussi, et je pense que ça a été beaucoup dit, de comprendre pour mieux agir. L'idée aussi, c'est de se dire, quand on diffuse en tout cas les résultats des travaux de recherche, bien sûr qu'on est beaucoup plus fort pour agir ensuite. Avec nous, notre souci à la Croix-Rouge, d'accompagner, vous l'avez dit, les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, on peut mieux les accompagner quand on les rend aussi acteurs de leur parcours. Et ça permet vraiment réellement de réduire les inégalités. Alors, peut-être trois petits points qui sont des points, je dirais, d'avancée. Pour moi, la recherche, c'est vraiment un levier de la gestion de l'incertitude dans un monde mouvant avec beaucoup de catastrophes naturelles. Je pense à Xynthia en 2010, je pense aux inondations du Nord-Pas-de-Calais il n'y a pas longtemps. Et la recherche permet en tout cas de pouvoir anticiper, d'outiller les populations et de faire en sorte qu'ils puissent agir et comprendre ce qui va leur arriver, d'anticiper en tout cas la crise. La deuxième chose, c'est pour moi aussi important, la recherche comme vraiment contribution aux politiques publiques. Je pense qu'on repassera par là lors de la crise Covid, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et puis aussi, comment finalement on fait recherche où on capitalise dans un monde ouvert en interaction permanente. Je crois aussi que la recherche, elle répond à ce défi du monde d'aujourd'hui qui est l'enjeu de la communication, de la diffusion de la connaissance et puis peut-être d'un intérêt collectif partagé autour d'une recherche engagée pour le bien commun et le vivre ensemble. Et dans quelque chose qui aujourd'hui nous percute beaucoup, c'est les questions des rythmes et des temps. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'adaptation, je crois qu'aujourd'hui finalement, il faut vraiment se mettre en marche très très vite parce que finalement, tout ce temps risque de nous dépasser et de faire en sorte en tout cas que les personnes les plus vulnérables puissent trouver leur place dans notre société. Merci Françoise pour ce point très clair sur la question. Cette présentation nous appelle aussi à nous questionner sur l'essence même de nos sociétés. Nadine Machikou, vous êtes présidente de l'Association africaine de sciences politiques. Vous avez réfléchi à ces questions, je crois. Pourriez-vous nous dire à quelle conclusion cela vous a mené? Merci, je voudrais d'abord remercier l'IRD, féliciter cette institution vénérable, et en particulier, je ne représente pas ici l'Afrique, bien sûr, mais je vois à quel point le travail, l'investissement, l'excellence, cette excellence a servi, a soutenu un grand nombre de sociétés. Je sais que, en l'occurrence, aujourd'hui, l'urgence, sans doute, c'est la façon dont les sociétés elles-mêmes qui doivent être les récipiendaires de cette recherche à titre principal,
peuvent accéder, disons, à toutes ces ressources. Et je voudrais insister, peut-être au nom de l'urgence du temps présent, sur trois dynamiques, peut-être trois vents contraires, qui sont aujourd'hui peut-être pas nécessairement tenus ensemble et qui peut-être devraient nous interpeller. Je pense que la première question fondamentale ici, c'est d'abord évidemment la question qui rend les sociétés, qu'est-ce qui rend les sociétés inhospitalières et en quoi est-ce que ces sociétés ont besoin de soins elles-mêmes, elles ont besoin d'être soignées, y compris par la recherche et par la production de la connaissance. Et je pense que le premier de ces enjeux, c'est sans doute la question de l'identité. Je n'ai pas envie de revenir ici sur toutes les guerres et tous les processus qui portent à interroger ce que nous sommes et ce que les autres sont. Et dans ce rapport aux autres, comment est-ce que la recherche est fondamentale? Donc la question de l'identité, la question des politiques identitaires, la question des luttes identitaires me semble être le premier ressort sur lequel il faut aussi considérer le niveau de production de savoir. Comment est-ce que les sociétés se conçoivent? Comment elles se voient? Comment est-ce qu'elles voient les autres? Comment est-ce que la recherche, la production de savoir, le savoir permet d'adresser, j'ai envie de dire, quelque chose qui s'apparente à une crise de l'identité? Le deuxième ressort important, je crois, c'est les conditions dans lesquelles les sociétés aujourd'hui arrivent à organiser et assurer leur subsistance. Je parle de la subsistance matérielle en soulignant en particulier ce temps qui a quand même un temps de la... Il y a un auteur qui a parlé de « peak of stuff », donc cette espèce de pic de limite, au fond, de ressources. On sait que ce soit les ressorts du capitalocène ou de l'anthropocène nous mettent dans une situation où nous allons avoir, et globalement, un appauvrissement des sociétés. Bien sûr, on a un enrichissement, une croissance de la richesse privée pour une petite minorité, mais globalement quand même un appauvrissement des sociétés, appauvrissement économique, ce qui va intensifier clairement la question des luttes autour de la subsistance. Et on le voit, que ce soit dans les villes avec, disons, des sociétés qui ont du mal à se prendre à prendre soin d'elles-mêmes sur le plan de la subsistance matérielle. Le troisième défi aujourd'hui, c'est, je crois, les conditions dans lesquelles les sociétés globalement se trouvent dépossédées de leur propre agency, de leur propre agence, de leur capacité à se conduire elles-mêmes. C'est un défi politique. Et donc ces trois urgences-là, c'est-à-dire à la fois comment est-ce que les sociétés se conçoivent, comment est-ce qu'elles se regardent, comment est-ce qu'elles regardent les autres, quel régime de familiarité elles vont engager avec les autres. Et on a parlé de cette question de la science universelle. Au fond, lorsque on tient toutes les sociétés ensemble, qu'est-ce que ça signifie de ce point de vue-là? Comment ces sociétés subsistent sur le plan matériel? Et enfin, comment est-ce qu'elles s'organisent sur le plan politique dans un contexte de dépossession? Ce qui me porte à dire que la science doit être, dans ce contexte-là, une science à la fois du soin et de la réparation. De la réparation, y compris, on a évoqué la question de la distribution inégale des ressources de connaissances, et on sait que cette distribution fait que les sociétés se trouvent, par exemple les sociétés du Sud global, à la fois objet de la recherche scientifique, mais pas nécessairement acteur ou sujet. Donc probablement faut-il adresser, en fait, quelque chose qui peut représenter un programme décolonial, je dirais, choqué, mais en tout cas une discussion aussi sur la repolitisation de la science. La repolitisation de la science est essentielle parce que c'est elle qui permet de remettre, en fait, le savoir au cœur de la construction du lien. Comment faisons-nous société ensemble, y compris à l'échelle globale? Mais c'est aussi une repolitisation autour des ressources de la recherche. À partir de quoi fait-on science, et comment est-ce que, au fond, ces ressources sont très inégalement distribuées et posent les sociétés dans une situation d'incapacité, au fond, à s'entretenir et à prendre soin d'elles-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Je vous en prie, pour applaudir. Je voudrais rebondir justement, alors j'ai préparé d'autres questions, mais déjà je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Vous avez évoqué finalement, et Françoise et Nadine, cette question de l'inégalité de la recherche
sur l'adaptation en l'occurrence, et ce que vous disiez Nadine sur cette question, certes que finalement, prenons le continent africain, j'imagine, dont vous parliez, qui peut être sujet de cette recherche, mais qui n'est pas suffisamment acteur. Est-ce qu'on n'a pas de la recherche sur l'adaptation? Est-ce que vous avez d'autres exemples où il y a vraiment des défaillances, où il faudrait vraiment muscler un peu cette coopération, ou donner ce rôle d'acteur et non plus seulement de sujet au continent africain, par exemple? Effectivement, sur le changement climatique, l'Afrique a été confrontée depuis bien longtemps à des problèmes, notamment de canicules, de vagues de chaleur, etc. Elle a appris tout simplement de son existence. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? N'hésitez pas à prendre vous avez chacune votre micro, donc si vous voulez parler, vous avez le droit. Grande liberté. Allez-y, ou Françoise ou Nadine. Je prends avantage de ce que pour réagir et dire qu'il est très important de remettre aussi dans le contexte les conditions dans lesquelles la recherche se fait. Nous savons très bien que, par exemple, un chercheur IRD originaire du Nord global, lorsqu'il se retrouve dans une situation où il doit, par exemple, travailler sur des sociétés où la recherche est empêchée, elle est surveillée, etc., ben, il se trouve aussi dans des situations, je dirais, d'inégalité par rapport aux chercheurs qui y sont. Donc, je pense qu'il faut... Il y a une philosophe qui parlait de la nécessité d'arrêter avec l'innocence. Il est aussi important, dans cette confrontation autour de la question des inégalités dans la distribution à la fois des ressources de production de la connaissance, mais aussi la circulation de cette connaissance. Et il est bon, je pense que Mme Verdier a évoqué une fois de plus la nécessité que cette recherche soit ouverte et qu'elle le soit de façon radicale. Qu'elle le soit de façon radicale parce que là aussi, c'est une condition pour que souvent des sociétés où la recherche est empêchée, qu'au fond, on arrive à avoir accès à des travaux, à des recherches qui sont portées. Je pense que ce point me semble essentiel, tout comme lorsque j'évoquais la question de la repolitisation de la recherche. Au fond, il ne faudrait pas imaginer que dans l'agenda de la recherche, en l'occurrence dans ces suds globaux, la recherche soit une priorité. Alors, comment fait-on lorsque ces sociétés-là ne sont pas elles-mêmes dans une dynamique de voir la recherche comme étant un intrant essentiel dans la construction du lien? Je pense que c'est aussi un travail, une grammaire, une politique, un dialogue qu'il faut engager avec les récipiendaires de la recherche, qui ne doivent plus être de simples récipiendaires, mais qui doivent être là aussi coproducteurs, co-constructeurs de savoir dont elles ont besoin, au fond. Alors, Françoise ? Oui, je voulais dire, moi j'ai parlé de l'exemple hein, de l'adaptation au changement climatique, mais si on regarde la production des connaissances hein, sur le système climatique, malheureusement la situation elle est la même et je pense que c'est assez général. Hein. Et puis ce qui est abordé là, c'est aussi la copublication en fait, hein, c'est-à-dire que même les recherches scientifiques qui s'intéressent à des sujets de connaissances plus précises ou plus locales ou plus régionales du climat ou à l'adaptation au changement climatique, elles sont souvent... Il n'y a pas de copublication en fait, hein, quand on regarde les résultats, la copublication est rare, et puis ce qui est rare aussi, c'est quand les projets émanent en fait des pays du Sud et que dans la collaboration on s'en empare à deux, et ça c'est peut-être je pense un point à réfléchir hein, pour l'avenir, d'être davantage à l'écoute des questions scientifiques qui nous viennent de nos partenaires. Je crois que vous vouliez réagir peut-être, Maud. Oui, peut-être apporter un complément pour les questions de biodiversité. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de lier la recherche avec la protection et le droit. C'est-à-dire c'est le triptyque qui permet aussi d'avancer, avoir des données brutes en matière d'espèces. Si ça se traduit pas avec d'autres urgences, il faut mettre les questions sociétales évidemment au cœur de tout ça, avec d'autres urgences, ben évidemment on peut expliquer qu'il va falloir préserver les ocoumiers, mais si derrière on a des populations qui n'ont pas les moyens de survivre, on va pas être
entendable. Donc il faut vraiment lier la recherche à des plans d'action d'État, des plans régionaux d'action, évidemment coproduits entre les pays du Nord qui peuvent financer et les pays du Sud, et puis avec le droit, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste constater qu'on est en train de détruire toutes les ressources naturelles, notamment sur une grande partie de l'Afrique, au profit de multinationales, au profit de groupes particuliers, ne pas essayer de mettre en œuvre des mécanismes de régulation. Si on met les trois données ensemble, alors on apporte à la fois l'adhésion des bailleurs et puis le soutien des populations qui verront un intérêt de proximité et qui seront partie prenante. Françoise, vous voulez réagir ? Je crois que c'est un des ADN de la Fondation Croix-Rouge de mettre en lumière les chercheurs du Sud, ce soutien permanent aux chercheurs du Sud. Et puis peut-être citer deux exemples justement d'ateliers post-recherche. Par exemple, au Niger, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne l'amélioration de la santé sexuelle et affective des populations jeunes avec la participation de ces populations. Je pense que c'est extrêmement important. Et citer aussi, et qui me vient à l'esprit dans notre appel à projet 2023-2024, vraiment un projet de recherche sur des zones d'inondation avec la participation des personnes qui font état de leur expérience et de leur résilience autour de ces catastrophes et qui permettent finalement c'est là peut-être que les pays du Sud, par cet aspect psychosocial, nous portent peut-être, ils donnent peut-être des leçons pour nous, en tout cas pour gérer un certain nombre de catastrophes en France. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur notre soutien extrêmement fort aux chercheurs du Sud à la Fondation. Alors je profite, Françoise, gardez donc le micro, vous ayez le micro. La Fondation de la Croix-Rouge a pour vocation de faire avancer l'action au service des plus vulnérables en soutenant des projets à fort impact social et en promouvant la recherche sur l'action humanitaire internationale. Moi, ce que je me suis posé comme question, ça vient, est-ce à dire que la bonne volonté ne suffit pas ? Parce qu'on peut se dire, voilà, quand on est une fondation comme la Croix-Rouge, ça suffit d'avoir cette bonne volonté. Mais la science est-elle devenue une nécessité, finalement, aux côtés de l'empathie et des mains tendues ? Bah, je pense que oui, la science, c'est ça ce que je disais plus, tout à l'heure. De... C'est-à-dire comment finalement on gère cette incertitude du lendemain. Et aujourd'hui, la recherche prend une place extrêmement forte sur cette gestion de l'incertitude. Et en plus de la recherche, et c'est l'intérêt finalement de partager, de faire diffuser de la connaissance autour de ces travaux de recherche, c'est comment on construit finalement un retour sur investissement et qu'on arme et qu'on outille les acteurs pour qu'ils soient extrêmement pertinents face à ce qui va nous arriver. Je pense que la crise Covid, elle a été extrêmement éclairante, en tout cas sur cette immédiateté de la mise en route d'appels à recherche extrêmement courts, extrêmement efficaces. Et je pense que là, on a vraiment balayé une réactivité, une transversalité, une mobilisation autour de tous les acteurs extrêmement importante, que ce soit les acteurs, les chercheurs et que ce soit les acteurs de santé. Moi, j'étais médecin dans un hôpital, donc je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai vraiment apprécié comment cette question finalement de la diffusion de la connaissance quasiment en temps direct était faite à la fois à nous, professionnels de santé, et à la fois, vous vous en souvenez évidemment, à la population, parce que je pense qu'on a compris aussi, et c'est aussi ça l'intérêt du Covid, qu'il y avait des impacts de société extrêmement forts tout de suite et qu'il fallait embarquer en tout cas les citoyens pour qu'ils puissent être aussi acteurs de leur protection et du fait de gérer l'épidémie. Et puis moi, ce que j'ai aussi apprécié, et on n'a pas du tout parlé d'éthique, mais je voudrais refaire un petit détour par ces questions-là, à la fois quand on a des enjeux de société, on a aussi des enjeux éthiques. Et je trouve que la crise Covid, alors parfois avec quelques maladresses, on peut le dire, mais peut-être un peu dans la précipitation, a posé quand même ces questions éthiques extrêmement fortes aussi. Donc voilà, je pense qu'on a, nous acteurs de terrain, parce que moi je ne suis pas chercheuse, nous acteurs de terrain, besoin vraiment de s'appuyer sur aujourd'hui des partages de connaissances, des datas, même à la Croix-Rouge, je pense qu'aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles moi j'ai très envie en tout cas qu'on avance. Est-ce que quelqu'un peut réagir ? Nadine, vous vouliez réagir ? Non ? Je ne sais pas, j'avais l'impression que vous étiez au starting block. Non ? Personne ? Je voulais juste, on a évoqué les différents défis de l'humanité. Aucune de vous ne l'a cité, mais beaucoup évoquent la démographie.
comme l'un des plus gros défis de l'humanité. Alors voilà, j'entends des petits rires qui, je sens qu'il y a des choses à dire là-dessus. Êtes-vous d'accord avec cela et quel rôle peut jouer la recherche à ce sujet? Françoise, je vois dans vos appétits, dans votre regard. Je vous écoute. Non, oui, alors peut-être que moi, j'interviendrai sur un aspect bien précis du lien démographie-climat, qui est une question qui revient mais très, très, très régulièrement lorsqu'on fait des interventions grand public. Alors, je voudrais rappeler d'abord ce que les économistes du climat appellent la règle des 10-50, hein, c'est une expression que je ne connaissais pas, qui dit en fait que 10% des plus riches sont responsables de environ 50% des émissions de gaz à effet de serre et que 50% des plus pauvres sont responsables d'un peu plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et le message, il est clair, il est de dire que les émissions d'un pays, elles ne dépendent pas de sa démographie, du nombre d'habitants à un temps donné, mais qu'elles sont liées en fait à la richesse de ce pays. Donc ça, c'est un point très, à mon avis, fondamental à rappeler. Le deuxième point fondamental à rappeler, c'est que le réchauffement climatique, sans vouloir être trop technique, il est lié au cumul des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et donc là, il y a une notion de responsabilité historique. Et donc, qui ont été les premiers à émettre, ce sont les pays du Nord. Et donc, finalement, la démographie des pays du Nord, elle est peut-être davantage problématique que la démographie des pays du Sud, parce que de manière sous-jacente à la question qui est posée régulièrement par le public, c'est ça. C'est que va-t-il se passer s'il y a des démographies galopantes dans les pays en voie de développement? Et donc ça, je pense que c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que la démographie n'est pas un défi de l'humanité aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui alertent en disant les pays où ça explose, c'est pas le défi aujourd'hui. En tout cas, en matière climatique, on est d'accord sur les émissions de gaz à effet de serre et le cumul de ces émissions. En matière climatique, on peut peut-être rappeler que des pays comme le Niger ou l'Ouganda, qui ont une démographie, enfin une croissance démographique particulièrement importante, ont des empreintes carbone de l'ordre de 0,1 tonne hein, par habitant par an. Et si on compare, par exemple, à des pays très riches comme le Qatar ou le Koweït, c'est 300 fois plus. Hein, au niveau des pour la France, 100 voilà. fois plus. Alors pour la France, c'est 100 fois plus ouais. avec l'empreinte carbone complète. Donc je pense que c'est vraiment important de remettre les choses en place. Et en revanche, je parle pour le climat. Hein, je parle du souci de la démographie. Je pense que vous allez avoir des. On va compléter tout ça. Alors, qui veut prendre la parole? Françoise. Je veux bien parler de démographie humaine parce que ma voisine va probablement parler de démographie animale. Non, je vais parler d'homme aussi. Non, mais je veux dire aujourd'hui, effectivement, que la planète vieillit et qu'en 2070-75, je crois qu'il y aura plus de personnes de 65 ans que de personnes de 18 ans. Donc là, on aura un croisement des courbes qui sera quand même assez signifiant. Et je trouve que c'est intéressant de regarder la démographie de manière un peu épaisse, enfin, ou en tout cas de la regarder à la fois sur les parcours de vie, sur les questions de santé, sur tout ce qui va concerner les migrations climatiques aussi. Aujourd'hui, ce qui nous a frappé sur la crise ukrainienne, et moi j'ai été aux avant-postes pour accueillir les Ukrainiens, pour la première fois on a accueilli en tout cas des exilés âgés. Des personnes âgées. Ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, parce que quand j'ai travaillé à Grande-Synthe ou dans d'autres endroits, les gens sont jeunes. Les personnes âgées ne migraient pas. Donc je dis ça parce que ça préfigure très probablement aussi ce qu'on va vivre dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, c'est-à-dire une adaptation et un accueil permanent de personnes âgées. Et on sera tenu en tout cas de gérer le grand âge puisque la fécondation globalement, la fécondité diminue, la durée de vie augmente dans quasiment tous les pays de la planète. Donc la question du vieillissement, ça sera, alors je suis gériatre évidemment, donc c'est un sujet qui m'interpelle, sera vraiment un vrai sujet planétaire. C'est intéressant, on parle effectivement des migrants âgés, voilà. Qui est quelque chose qu'on imagine moins. Et c'est pas des choses dont on parle encore beaucoup, beaucoup. Voilà. Même en France, on se préoccupe à peine du vieillissement dans nos pays ultramarins, dans nos territoires ultramarins. Nadine, juste un petit mot pour dans la continuité. Effectivement, les questions démographiques ne s'opposent absolument pas dans les mêmes termes au nord comme au sud. On a toujours évidemment cette vision de horde
d'Africains qui traversent et qui vont envahir le... Enfin, tout le monde n'a pas cette vision, certains... Voilà. Non, certains, enfin, je voudrais dire que... Mais vous avez raison, les peurs sont créées autour de cette image. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est vraiment toute la question de savoir qu'est-ce que c'est que habiter ensemble le monde et comment est-ce que, ici et là, précisément, par exemple, les enjeux de subsistance vont porter les enjeux climatiques de plus en plus et très fortement, radicalement, vont porter à des déplacements de population très importants. Nous en parlons à l'échelle de... Parce que là aussi, je pense qu'il faut ramener la discussion à l'échelle de société relativement réduite dans leur taille. Lorsque je parlais tantôt de la question de sociétés qui sont devenues inhospitalières, parce qu'il faut, bien voir aussi qu'est-ce qui pousse à partir, comment est-ce qu'on s'installe, comment vient-on. Et en l'occurrence, nous avions eu une discussion sur, d'une certaine manière, les inégalités dans la provision de soins, les inégalités globales dans la capacité à prendre soin. En ce moment, nous avons une catastrophe qui s'est passée en RDC et dont quasiment on ne parle absolument pas. Donc il y a cette économie morale, là aussi, de ce que veut dire le poids démographique, de ce que veut dire la taille de la population, la taille critique, qui, à mon avis, appelle à un engagement radical de la recherche. Lorsque je parle d'engagement radical, je pense ici en fait à un philosophe camerounais, Ibousi Boulaga, qui est décédé, qui parlait de la nécessité pour le chercheur d'être un témoin radical. Être un témoin radical, c'est pour nous, en tout cas pour les acteurs de la recherche, c'est travailler à être, non pas aussi dans cette espèce de logique macro, lorsque nous traitons de ces réalités, mais c'est de se mettre en fait à la hauteur du plus, ce qu'il appelle le soldat du dernier rang, c'est-à-dire être le plus près possible des situations de précarité, par exemple, et des situations de déplacement, qui ne sont vus que sous cette forme de masse et cette forme qui est déshumanisante, bien sûr, et qui est toujours assortie, d'une certaine manière, d'une logique d'un seuil de crédibilité. À partir de quand est-ce que le besoin d'une communauté, d'un village qui est victime de transformations climatiques absolument faramineuses, à partir de quand est-ce que ce seuil de difficultés, appel à l'intervention, appel aux soins, etc. Donc je pense qu'il y a aussi dans notre travail la nécessité de reconsidérer, je le dirais aux économistes, mais je pense qu'on peut le voir plus généralement à l'échelle de l'interdisciplinarité que nous devons pratiquer absolument. Imaginez par exemple les dialogues qui peuvent s'engager autour de la question de la conception que nous avons de ce que c'est que la vie, la mesure de ce que c'est qu'un être humain, de ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que la richesse, qu'est-ce que c'est que la valeur, et le dialogue qui est nécessaire et absolument impératif entre les économistes, par exemple l'économie du vivant, l'économie du lien, et les anthropologues, les politistes, et comment est-ce que nous devons repenser des nouvelles manières, au fond, de raconter le vivant, de raconter cette crise, en fait, cette crise de l'habitabilité, ensemble de la Terre et notre cohabitation avec une nature qui est essentiellement perçue comme source de prédation. Donc je pense que toutes ces questions qui permettent de tenir bout à bout à la fois les humains, bien sûr, mais aussi les non-humains, le vivant en général, fondent, par exemple, autour des sciences, qu'on va appeler les sciences de la durabilité. Moi, je parlerai plutôt, en fait, de la nécessité de repositionner la science autour de la science du soin et de la réparation des sociétés, peut-être même de la régénération, et comment est-ce que cet agenda de recherche va nécessiter à la fois des enjeux en termes d'interdisciplinarité beaucoup plus radicale, mais aussi de transdisciplinarité, et dans le dialogue avec les sociétés, comment est-ce que nous organisons la circulation de la connaissance pour qu'elle permette de régénérer et de prendre soin non seulement des corps, mais aussi du vivant. Alors j'entends Nadine, on parle beaucoup de radicalité. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, je ne pense pas que à cette table ronde on aura d'anti-radical. Une question pour vous Maude, que vous pouvez compléter autour, je prends l'exemple de la biodiversité parce qu'il est parlant. Grâce à la recherche, on l'appréhende mieux, cette perte de biodiversité depuis quelques années, mais simultanément, les disparitions d'espèces s'accélèrent. Donc on peut se demander, plus de science, plus de recherche, c'est bien, mais pour quel résultat?
Vous vous doutez que hein, je ne suis pas contre ça. Vous avez connu sous un autre angle. Et j'aimerais que vous... Est-ce suffisant? Tout ça, c'est pour vous provoquer, pour vous dire, la recherche, c'est essentiel, mais est-ce suffisant? Et qu'est-ce que... Alors, on a parlé des freins tout à l'heure, de tous ces freins d'acceptabilité, etc. Qu'est-ce que faire pour que cette recherche soit enfin digérée, appliquée, et qu'on arrive à voir ces résultats qu'on attend tous de nos voeux, qu'ils arrivent? Vous êtes la première à répondre et vous avez le droit de répondre derrière. Merci. Peut-être, c'est la question qui est liée à la question d'avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sauf à vouloir être enfermé dans un bureau très loin à faire une comptabilité désespérante. On ne peut pas travailler sans et pour la population. Et c'est la croissance démographique rapide qui est la plus importante dans les pays les plus pauvres. C'est là la disparition accélérée de la biodiversité. Elle est aussi dans ces pays les plus pauvres parce qu'ils ont moins de droits pour se défendre, que parfois les gouvernements peuvent être sensibles à des groupes de pression, que parfois les pays du Nord ont une approche encore extrêmement colonialiste pour faire appliquer des lois ou les faire signer des accords internationaux qui ne sont pas forcément pensés d'abord pour le bien-être des populations. Et puis, parce que si on n'a pas un accord gagnant-gagnant, on n'arrivera pas. On pourra publier des choses, même l'éco-publier, mais en fait, ça ne touchera pas la population. Moi, je pense qu'on est plus efficace pour protéger la biodiversité, lutter contre l'accélération de cette perte quand on crée un restaurant communautaire à Lambaréné avec des femmes pour permettre à faire comprendre à la population que finalement il va y avoir moins de risques sanitaires, ça va être plus facile, que les hommes ne vont pas perdre du temps à aller à la chasse et que en gain de biodiversité on va garder cette faune plutôt que consommer ou ultra consommer de la viande de brousse, et que ça va servir au développement de la communauté locale parce qu'on va apporter de la richesse, on va créer de l'activité, et cette activité elle va être ensuite utilisé au profit de la communauté. D'ailleurs, je profite qu'on soit là aussi là avec l'IRD. On a beaucoup, nous, d'expériences à l'UICN qui sont très positives avec les communautés de femmes. Alors, j'en suis désolée pour ces hommes qui sont dans la salle, mais parce qu'on s'aperçoit dans ce qui fonctionne en action de terrain que les femmes, elles réinvestissent aussi le gain qu'elles ont pu avoir sur les politiques de planting, de plantation d'arbres. Elles vont planter, mais elles vont aussi faire en sorte que les arbres ne meurent pas dans la durée. Et je pense qu'en mettant au cœur de ces politiques et de recherche et de terrain, les femmes, on aura aussi des résultats sans doute plus efficaces dans la durée. Alors écoutez, je vous en prie. Je pense qu'on peut aussi en parler, par exemple, sur la lutte contre la précarité alimentaire sur notre territoire. C'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place. C'est à la fois faire en sorte que les personnes qu'on accompagne soient mieux nourries, parce que ça, c'est vraiment un sujet de santé, et de faire en sorte aussi d'utiliser des circuits courts. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est complètement, en tout cas sur la lutte, lutte contre la précarité alimentaire, on est complètement dans cette logique-là, à la fois de favoriser une qualité de l'alimentation et à la fois des circuits courts. Donc, okay. Ouais. Merci. Est-ce que Nadine ou Françoise, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Et j'avais une dernière question. Alors là, ça va être réponse rapide. Vous avez parlé tout à l'heure, Françoise, justement du temps et des rythmes, en fait. Il y avait cette question, et je pense que vous mettiez aussi l'urgence, finalement, là-dedans. Est-ce que sur le temps de la recherche et l'urgence de ces défis, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ou pas? Oui, là, vous me tendez une perche tentante. Prenez-la, Françoise, elle est pour vous. Non, je parlais tout à l'heure d'anticipation des questions scientifiques. Je pense que dans le domaine du climat, on a quand même bien anticipé. Il faut quand même rappeler que dès les années 1990, on avait ce discours de ce changement climatique qui allait être un défi avec un ensemble de challenges. Et ça fait quand même plus de 40 ans, finalement. Donc, je pense qu'au niveau de la recherche scientifique, peut-être pour revenir sur le titre de la table ronde, je pense que la recherche scientifique, elle a été présente, elle a joué son rôle. Aussi la recherche fondamentale pour comprendre le système. Je crois qu'on peut se réjouir de la bonne connaissance que l'on a, même s'il y a une foule d'incertitudes que je ne vais pas développer. Pour ne pas être trop longue, je dirais que c'est pour moi vraiment important qu'il y ait peut-être un partage de nos résultats et de nos connaissances toujours plus actif envers des publics très très divers pour que
ces publics puissent s'emparer de nos résultats scientifiques. Peut-être qu'on finalement, on n'a pas suffisamment dit, on n'a pas suffisamment partagé, même si on en a l'impression. Journalistes, peut-être, n'ont pas aussi fait les bonnes peut-être, choses. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas été sollicité suffisamment tôt. En tout cas, je crois que cette anticipation de la recherche scientifique pour le climat, elle a été présente, et c'est certainement le cas pour les autres thématiques, mais je vous laisse répondre. Je voulais dire deux mots. La question de notre humanité commune, c'est aussi notre vulnérabilité, quel que soit là où on habite. Je pense que ça doit quelque part être très présent. Et puis, moi, je voudrais reparler des intentions de la recherche, tout simplement, et se dire aujourd'hui qu'il faut qu'on ait une recherche engagée autour de, finalement, une recherche essentielle pour donner la liberté aux personnes de faire leur choix, tout simplement, et trouver leur place et d'être en capacité d'agir. On va s'arrêter sur ces mots que je trouvais très bien. Donc, en fait, je retiens recherche engagée radicale, repolitisation, et puis les femmes au cœur du pouvoir. Bon, ça me semble parfait comme solution. Merci, en tout cas. Merci à nos intervenants. On peut les applaudir. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement, oui.